Christine Angot et Jérémy Ferrari sur le plateau, On n'est pas couché, capture d'écran France 2 toujours sur scène avec spectacle Vent de pièces à Beyrouth. Jérémy Ferrari était l'invité de Laurent Ruquier ce samedi pour présenter Livre Happy Hour à Mossoul. Un humour visiblement pas du goût de Christine Angot. Je ne vous trouve juste pas drôle, c'est un discours très consensuel. J'y suis imperméable, a-t-elle lancé, avant de reprocher à l'humoriste de scène prendre à des cibles officielles, comme Bernard-Henri Lévy. Ce n'est pas très courageux, a-t-elle estimé. La chroniqueuse a ensuite lu des extraits d'une interview de 2013 de Jérémy Ferrari, où il était question de « juifs qui pensent qu'il existe d'extraterrestres antisémites ». Vous trouvez cela super drôle, vous, a demandé l'auteur de l'inceste. Dit par vous, non, rétorque l'humoriste. Ah, c'est pratique l'humour, s'agace-t-elle. Excusez-moi de ne pas être énervé contre vous quand vous êtes énervé contre moi, se défend Jérémy Ferrari. Vous ne m'énervez pas, je ne vous trouve juste pas drôle, objecte-t-elle. Oui, ça, on avait compris, plaisante l'humoriste. Prenez un Xanax, plus tard, interrogé par Christine Angot, sur les unes de Charlie Hebdo, que l'humoriste déclare ne pas trouver toutes drôles, il lance « Christine ne trouve rien drôle ». Ce n'est pas parce qu'on ne vous trouve pas drôle que l'on ne trouve rien drôle, réplique-t-elle. Je n'ai pas dit ça, prenez un Xanax, balance alors Jérémy Ferret. Un échange loin de la bienveillance de Claire Chazal saluée sur les réseaux la semaine passée.